bien sûr, ok. Salut. Oh, tu m'as manqué, mon cher. Oh, mon beau garçon. Oh, quelle fille étrange. Oh, salut, beau gosse. Oh, j'aimerais que tu sois à moi. Quoi? Il est à moi. Toi, dégage. Et le jus? Ouf, ta facture. Garde la monnaie. Un hamburger en or? J'aimerais t'en goûter un morceau. Oh mon Dieu, tu as l'air si pauvre. Tiens ça. Wow. Je veux tout. Tiens. Merci. Les filles, votre attention. Surprenez-moi avec vos talents culinaires. Salut. Ma petite amie sera celle qui m'aura préparé un gâteau. De la nourriture de riz, encore? Mange-moi, regarde-moi, mange-moi. Oh ouais. De la nourriture de riz encore? J'ai tellement faim. Y a pas de la nourriture quelque part? J'ai trouvé. Délicieux. C'est fade. Vraiment? Aujourd'hui? Je dois remporter cette compétition. Peut-être celui-ci? Non. Hein? Ça. Mais c'est trop cher. Non, je veux ça. Waouh, les secrets de grand-mère. Livre, donne-moi ta meilleure recette secrète. Quoi? Une tarte aux pommes? D'accord, je vais juste faire un gâteau. Pas assez cher. Oh, c'est mieux. Oh, c'est trop cher. Ouais. Oh, j'ai besoin de... Je les ai vus en premier. Je ne crois pas. Bon travail. Ouais. Allons-y. Chouette. Plus vite, plus vite. La 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 la. Oh, waouh. Regarde comme je suis forte maintenant. Enfin. Waouh, c'est génial. Voilà, il est temps de te décorer. Quoi? N'oublie pas. T'es trop mignon. Non. Délicieux. Quoi? C'est pas passé loin. Choum.
magnifique. Oh, Barban. Pile ce dont j'ai besoin. Oh, waouh. Je n'attends pas. Dégagez. Suivante. Goûte ça. Waouh, c'est délicieux. Mais c'est meilleur. Waouh. Débarrasse-toi de ça. Le goût est tellement... délicieux. Bon, vous participez à la prochaine manche. Hamburger et pizza. Non, je n'aime pas ça. Ça dégage. Trouve-moi les ingrédients pour les hamburgers. Maintenant. D'accord. Je t'en prie. Oh non. Arrangeons ça. Oh, c'est mieux. Stupide ketchup. Wow. Peut-être ça. J'ai besoin de sel. Livraison. D'accord. Oh, je dois préparer un hamburger. Oh, pile ce qu'il me faut. Quoi? Du pain rassis. Utilisons ça. C'est suffisant. Laisse-moi tranquille. Fais. J'ai besoin d'autre chose. Hé, hey, les gars. Parfait. Oh, ça a déjà l'air délicieux. Mais j'ai besoin de fromage. Merci. C'est pour toi. Waouh, un burger. Oh, j'adore vos hamburgers. Laissez-moi vous faire un câlin. Les filles, regardez-vous. Vous êtes sales. Vous êtes sales. Et moi? Vous êtes sales. Allez, les gars. Désolé, les filles, je la préfère, elle. Partons d'ici. Attends une minute. Plan B. Une autre bouchée. Attends. C'est à moi. Une boisson rouge. Des cerises.
moi. Délicieux. Waouh, ça sent tellement. Je rêve de ça depuis tellement longtemps. Il est à moi. Non. Oui. Non. Non. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va passer loin. Regarde, pizza gratuite. Oui. On veut une pizza gratuite. Ok, les filles. Salut. Salut. Voilà. Délicieux. Et maintenant pour toi, jeune fille. Et un peu de ça aussi. Savoureux. Ah, magnifico. Savoureux. Je ne mangerai pas ça. Mais je dois le faire. Vilain fruit. Mange-moi. Avec plaisir. Salut les gars. Regardez mon match parfait. Voyons voir qui va gagner. Je peux faire ça mieux. Qu'est-ce qu'elle mijote là? C'est parti. Ouais, ça c'est ce que j'appelle la perfection. C'est encore meilleur comme ça. C'est bon, j'ai toujours mon matcha. Délicieux, exactement comme je le pensais. Voyons voir ce que tu vas penser de ça. Elle ne gagnera jamais. Quelque chose de bleu. Y a rien de rouge. Giclée de ketchup. Je peux le manger maintenant. C'est rouge. Je peux colorer quelque chose aussi. Je peux le manger maintenant. On va voir qui va gagner. Non, cet iPhone sera à moi. Comment oses-tu? Il est à moi. C'est ce que tu voudrais, mais il est à moi. Oh non, c'est coincé. Alors, c'est un match nul? Ouais. Je me demande combien je peux en mettre dans ma bouche. C'est tout? J'en veux encore. C'est notre sol. Wow. Pile ce dont j'ai besoin. Oh, les filles se sont mélassées. Ne tombe pas, ne tombe pas. Oui.
Ouais, c'est ça. Coincée à la plage. Au secours. Ah, Burke, quelle poubelle, littéralement. Doucement, doucement. Oh non, à l'aide. Burke. Oh non, s'il vous plaît. Il y en a partout sur ma chemise hors de prix. Est-ce que tu sais qui je suis? Oh, je suis désolée, je ne voulais pas faire ça, vraiment. Pourquoi, espèce de petite... Pourquoi t'es si méchante? Quoi? Je suis fatiguée de ça. Oh. C'est fini entre nous. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, laisse-moi t'aider à te relever. Viens. Il est si mignon. Je suis Kit. Je suis Savi. Enchantée. Enchantée. Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier. Non, tu vas jamais croire qui arrive dans notre école. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Hé, hey, tout le monde! Le mec riche est là! Oh, te voilà. Salut. Salut, Savi. Waouh! J'ai pensé à toi toute la nuit. Je veux dire, tu es tellement incroyable, tu sais. Ok, je vais garder ça pour toujours. J'ai même changé d'école à cause de toi. Tiens, voici quelque chose d'aussi charmant que toi. Merci. Tu veux être ma petite amie? Oui, oui, oui. Oui. Alors, ayons un vrai rendez-vous aujourd'hui dans un grand restaurant que je connais. Je t'enverrai l'adresse plus tard. À plus. Salut. Posté. Ok, Savi, sois juste toi-même. Oui. Ah, Savi, je te présente mes amis. Je pense qu'elle vient de la campagne. Oui, elle est tellement banale. Ouais, salut. Ne reste pas là, viens t'asseoir avec moi. Ici, laisse-moi. Merci. Je suis si content que tu sois venue. Oui. Eh bien, moi aussi. C'est affreux. Je veux dire, il pourrait trouver quelqu'un de plus riche tout de même. Je me demande si tous ses amis sont comme ça. Les amis, essayons de quelque chose de bon et de nouveau. Je veux dire, tu comprends? Savi, tiens. Ouais. Pourquoi tout est si cher? Je ne connais même pas ces plats. Oh non. Savi? Savi? Oui. Et qu'est-ce que tu veux commander? Que commander? Eh bien, la même chose que toi. Ouais, bien sûr. Excusez-moi. Monsieur. Nous aurons ça et ça. Je ne pense pas qu'elle sache ce qu'est un menu. Ouais, la débile. Pourquoi elle est aussi impolie? Oh, de la soupe. Enfin, quelque chose que je reconnais. Yam. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que je fais? Hé, hey, c'est pour te laver les mains. Tu vois? Comme ça. Oh, je suis tellement désolée. Mon Dieu, je me sens si stupide. Oh, merci. Oh, ça a l'air très bon. Je me demande, est-ce que c'est aussi bon que ça en a l'air? Peut-être que je devrais regarder ce qu'ils font. Pourquoi cette look nous regarde-t-elle? Ok, au moins on fait tous la même chose. Oh, eh bien, c'est plus dur que ça en a l'air. Ah! Mes oreilles! Arrête de faire ça! Oh, je suis désolée. Laisse-moi t'aider. C'est pas si difficile et je te promets que c'est délicieux. Et voilà. Merci. Peut-être que c'est trop tôt. Mais je pense que je veux passer le reste de ma vie avec toi. J'en ai assez de cette fille. Tu non. Tu n'as aucune manière. Tu ne sais pas comment manger. C'est dégoûtant. Regarde. Oh non, qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Je reviens. Quelle espèce de petite pleurnicharde. Ne pleure pas. Tes amis se sont moqués de moi et devant toi. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour toi. Non, tu es si belle. Et tu me plais. C'est vrai? Oui, vraiment. Eh bien, quand tu le dis comme ça, on s'est bien retrouvés. Voici chez moi. Oh, waouh! C'est incroyable. Ouais. Non, 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 non. Mieux vaut pas toucher. Ma mère va me tuer. Oh, c'est toi? Laisse-moi te parler de ça.
Alors, celle-là, on l'a prise parce que ce jour-là, mon père m'a dit qu'il voulait que je n'hérite pas seulement, mais que je devienne copropriétaire de sa société de bijoux. Et c'était une fête, car je suis officiellement devenu le deuxième propriétaire. Comme tu peux le voir, tous ces bijoux viennent de mon entreprise. C'est bien joli, mais je n'arrive pas à dire un mot. Oh, peut-être que je peux lui faire visiter. Hé, hey, Kit, faisons un selfie ensemble. Ah, bien sûr, bien sûr. Maintenant, souris, et voilà. Waouh! Eh ben, dis donc, c'est une photo tellement chouette, tu devrais vraiment la poster. Ah ouais, Oh, attends, quoi? Savi, j'aime vraiment ton look et tout, mais pour moi et ma famille, c'est vraiment important d'être irrésistible. Mm-hmm. Mais ne t'inquiète pas, je peux t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir. Est-ce que j'ai besoin de vêtements de marque? Ce n'est pas très difficile, juste quelques trucs d'importants. Juste quelques trucs importants? Tu pourrais faire ça pour moi, hein? Oui, bien sûr. Je veux dire, je vais essayer. Viens par ici. Savi, voici ma styliste. Salut. Oh non, 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 non. Viens ici, chérie. Laisse-moi te voir. Oui, non, assieds-toi. Ah, nous avons beaucoup de choses à arranger. Laisse-moi voir ce qui se passe ici. Oh, ah, je veux dire... non. Ça ne va pas faire mal, fais-moi confiance. Oh, oh. Ah, Burk, je veux dire, vraiment... Non, 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 non. Savi, juste fais-le. Ok. Je dois faire quoi ensuite? Il y a tellement de choses. Ah oui, ce dont j'ai besoin. On va te brosser les cheveux. Non, on ne brosse pas les cheveux secs et bouclés, voyons. Je suis un professionnel, ne t'inquiète pas, ça va aller. Oh. Oh, ça va durer pour toujours. Et alors? On va voir. Peut-être une approche différente. Oh. Maintenant, peut-être qu'un peu de ceci pourrait faire l'affaire. De quoi j'ai l'air? Fini, ton look est prêt. C'est l'heure du maquillage. Très bien, de quoi j'ai besoin? Eh bien, de tout, commençons ici. Et fini. Vraiment? Ça me plaît. Ce n'est pas fini. Maintenant, changeons de tenue. D'accord, si tu le dis. C'est l'été. Ok. Non. Ah, on va voir, on va voir. Ah ah! Je suis comme Picasso. Alors, ça te plaît? Ouais, j'adore. Laisse-moi le publier. J'adore les cheveux. Tu peux clairement voir que c'était le travail de son styliste et mais non le sien. Mais j'adore ce qu'il a ouais. fait. On ouais, doit être amis avec carrément. Elle maintenant. Et ouais. Je dois lui dire que j'aime sa tenue ouais. et ses cheveux. Oh, elle est là. Allez, nouvelle amie. Tu es l'une des nôtres maintenant. Non, 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 ne la tire pas. Elle est où il faut. Quoi? Rends-la-moi. Non. Stop. C'est ma petite amie et elle va passer du temps avec moi. C'est bon, chérie. Les amis, je vous dirai quand on pourra sortir ensemble, d'accord? Je dois y aller maintenant. Désolée. Bien sûr, chérie. J'ai une réservation. Oh. Super. Ah, ok, allons-y ensemble alors. Merci, mon Dieu. Savi, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as changé. Je sais. C'est une très très longue histoire. Viens avec moi et je vais tout te raconter, d'accord? Ok. Savi, chérie, que s'est-il passé? Tu ne vas pas le croire, je déteste ses amis. D'abord, ils commencent à se moquer de moi. Ensuite, ils veulent être amis avec moi maintenant. Je ne comprends pas. Ensuite, nous sommes allés chez lui et, eh bien, regarde ça. C'est trop bizarre. Ouais, oui. Et ensuite, il a commencé à me changer. Quoi? C'est tort. Ses vêtements, mes cheveux. Tout ça, c'est à cause de lui. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quoi? Mais pourquoi as-tu besoin de ces vêtements? Tu as juste à te changer. Prends ça. Tu crois? Tu n'as pas besoin de tout ça, bien sûr. Alors, c'est comme ça qu'elle se sent, hein? Oh non!
Ma chérie, voilà ton style. T'as l'air beaucoup mieux. Ouais, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Mm-hmm. Merci beaucoup de m'avoir aidée. Oh, c'est à ça que servent les amis. Meilleurs amis. À plus. Merci pour tout. Hé. Hey. Oh, salut. Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Oui, mais... Et moi qui pensais que tu appréciais mes efforts envers toi, mais non. Je ne sais pas ce que tu as entendu depuis ici. Si je savais ce que tu ressens vraiment, je t'aurais pas forcé à faire quoi que ce soit. Est-ce que je ne montre pas à quel point je suis bon avec toi? Oui, je sais... Kit. C'est un mensonge. Ce ne sont que des mensonges. Tu veux que je change, hein? Ne me touche pas. Stop. Je peux pas croire que tu m'aies menti. Attends. Non. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je ne voulais rien faire de mal. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je sais que je suis une bonne petite amie, mais ça ne marche pas. Je n'aurais pas dû mentir. Il est si gentil avec moi. Il essaye. Qu'est-ce que... Oh, waouh. Mon chéri, tu as changé. Tu es si beau. Wow. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je... Tu as fait tomber ça. Attends. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était tellement bizarre. Au moins, j'ai mon journal intime. Il me comprend toujours. Cher journal intime, je suis si... Je me sens si bizarre. Sabi. Kit? Je suis désolé de la façon dont j'ai agi plus tôt. Je ne le pensais pas vraiment. Voici pour toi. Merci. Je veux dire, tu as changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le même, non? Qu'est-ce que c'est? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est mon journal intime. Qui écrit encore dans des cahiers? C'est comme super vieux. Ah, laisse-moi te donner un ordinateur portable. Ce sera un cadeau de ma part. Eh bien... Et voilà. Un tout nouvel ordinateur portable. C'est mieux pour toi. Merci, je serais tentée de dire... Je dois y aller, je vais être en retard pour mon cours. À plus. Je suis vraiment perturbée maintenant. Des cadeaux? Tellement. Oh, te voilà. Oh. Oh, désolée. Oh. Encore? Encore? Non, c'est encore toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ta petite amie. Quoi? Ma petite amie? Ma petite amie. Oh, Kit? Ah, je vois. Hé. Hey. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? C'est mon raté de frère jumeau qui pense que l'argent ne compte pas. Ouais, je vois que l'argent ne t'a pas aidé du tout, mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le même. Parce que c'est ta petite amie qui a essayé de me draguer. Je pense que je lui plais. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Reste loin de ma petite amie. Fais attention. Je vais te montrer, toi stupide de frère fauché. Hein? Non, c'est... Hein? Allons-y, Kit. J'espère que je te reverrai pas dans le coin. Je suppose que nous sommes d'accord sur quelque chose. Les enfants, voici Steve. Il va étudier avec nous. Assieds-toi, s'il te plaît. Salut. Salut. Attention, la classe. C'est l'heure de la chimie. Ces formules seront dans votre examen, alors faites bien attention. Oh, allez, pas maintenant. Allez, s'il te plaît, travaille. Je n'ai pas de matériel. Professeur? Savi, ne parle pas. Écris. Oh. Mais je n'ai rien pour écrire. Hé, est-ce que tu as un stylo? C'est ta faute si tu n'as pas de stylo. Laisse-moi tranquille. Oh, vraiment? Hé. Quoi?
Tu as un stylo? J'ai même pas mon propre stylo. Allez, marche un peu plus longtemps, c'est tout. Tu aurais pu simplement me demander. Oh, merci. Oh non, pas ce sentiment. Tout va bien, Sav. Tout va bien, relax. C'était quoi ça? J'ai promis à son frère que je ne lui parlerai pas. Oh, enfin, sauvé par la sonnerie. Que... Oh? Désolée pour ce qui s'est passé. Eh bien, c'est sympa, je suppose. Eh bien, il est un petit peu bête. Quoi? Oh, encore des cadeaux? Oh, parfait. Oh, bien sûr, quitte. Oh, sortons ensemble ce soir, hein? Hein? Oh! C'est quoi tout ça? C'est Kit. Il a été extra ces derniers temps. Mais j'ai rencontré son frère. Il a un frère? Oui, un frère jumeau. Il est mignon et... Et nous sommes amis maintenant, j'espère. Oh, oublie les garçons pour un moment. Sortons ensemble. Oh, je ne peux vraiment pas. Peut-être plus tard, quand tu auras un petit ami, tu comprendras. Désolée. Ok, à plus. J'espère qu'elle n'est pas en colère. Où j'en étais? Désolée, Savi. Laisse-moi t'aider. C'est ok. Oh, non. Pas encore cette impression. Je n'avais pas pensé à ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Hey! Wow, je t'ai dit de rester loin d'elle. Détends-toi, frérot. J'étais juste en train de l'aider. Oh, ton t-shirt est sale, mais je sais comment arranger ça. Mon astuce est une nouvelle robe. Merci, je vais la mettre plus tard. Je dois y aller, je suis très occupée aujourd'hui, alors à plus tard. À bientôt, salut. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore supporter ça. Oh, ce n'est définitivement pas mon style. Il n'apprendra jamais. Ok, de quoi ai-je besoin pour aujourd'hui? Est-ce que je devrais faire ça? Ah, oh, le voilà! Oh, une fleur! Ma fleur préférée! Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais avec cette fleur bon marché? Oh, rien! Mieux vaut prendre la mienne. Oh, c'est wow. Pour toi. Merci. Plus tard. On se voit plus tard. Je laisse tomber. C'est plutôt sympa. C'est peut-être même trop gentil. Ah, je vois. Alors, elle aime ça. Non, je peux pas faire ça. Hé, Chris, tu peux m'aider? Donne ça à Savi, s'il te plaît. Merci, mon pote. Je pense que c'est pour toi. Hein? Oh mon... C'est tellement beau! C'est si mignon! Ouais, c'est ce que j'espérais. Il sait vraiment comment dessiner. Encore. Salut, Kit. C'est fait pour la collection. Tu peux l'accrocher dans ta chambre. Oh, ouais, merci. À bientôt. Ouais, merci. Oh, oh. Je dois aborder le sujet. Eh, il faut qu'on parle. Oh, que s'est-il passé? Ça. C'est Kit. Regarde ce qu'il m'a donné. Un autoportrait. Tu sais qu'il est gentil. Il me donne toujours des cadeaux et beaucoup d'attention. Mais Steve... Mais pourquoi tu penses que Steve t'aime bien? Parce qu'il sait que je l'aime. Il m'a même donné mes fleurs préférées. Je devrais lui envoyer un message. Oh, il m'a déjà envoyé un message. Il veut qu'on se rencontre à la cafétéria. Je pense que c'est le destin. La cafétéria? Oh, mon cadeau. Je me demande ce que c'est. Oh,
c'est si mignon. Sa vie? Je ne t'aime pas? Quoi? Une farce? De Steve? Je n'y crois pas. Quoi? Il embrasse une autre fille et une farce? C'est quoi ça? Safi, tu vas bien? Tu n'as pas aimé mon cadeau? Un cadeau? Tu appelles ça un cadeau? Tu as perdu la tête ou quoi? Un baiser? Tu n'as aucun respect pour moi! S'il te plaît, fais-moi plaisir! Ne me parle plus jamais! Peut-être qui t'était mieux. Tu te souviens de notre voyage en France? Ce pays que tu n'aurais jamais visité si je n'avais pas été là? Oh mon Dieu, tu as tellement de chance de m'avoir comme petite amie. Je veux dire, je me souviens de notre moment magique près de la tour Eiffel. Et comment tu as eu tant d'amour de ma part. Je veux dire, c'était tellement incroyable. Il est tellement ennuyant. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que Steve était vraiment mieux. Laisse-moi voir ses photos. Il est si mignon. Et Kit, j'aimerais bien, mais il n'est vraiment pas mieux. J'avais tellement tort à son sujet. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Nous sommes si différents. Oh, peut-être que je devrais rompre avec lui. Je ne peux plus faire ça. Je devrais rompre. Oui, ok, je peux le faire. Il faut rompre maintenant. Kit! Hein? Je t'aime bien, mais nous sommes très différents et je ne peux plus faire ça. Nous devons rompre. Rompre? Ouais, bien sûr. Je n'ai même plus de mouchoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas Kit. Mais... Steve... Et je n'ai même pas de mouchoir. Ma mère m'appelle. Désolée, je dois y aller. Tu peux prendre ce dont tu as besoin. Je n'ai pas bien géré ça du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte? Non, mais ça voudrait dire que... Elle? Non, elle ne ferait jamais ça. Attends, le col de sa chemise. Elle aurait... J'ai juste besoin d'en mettre assez pour laisser une tache. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Ça lui apprendra. J'espère vraiment qu'elle va aimer ça. Je pense que c'est sa couleur. C'est sa couleur, d'accord. Mais la marque sur ton collier n'est pas suffisante. Pour qu'elle parte. Bouh, pauvre sa vie, je suis tellement triste. Elle le ferait et elle l'a fait. Ouais, à plus. C'était ma mère. Oh, avant que tu ne tires des conclusions, je peux expliquer. Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Vie, je suis tellement désolée. Juste, s'il te plaît, écoute. Non, c'est... Je ne m'attendais pas à ça de ma copine. Je suis ta copine, ta meilleure amie même. Et puis t'as décidé de rencontrer ces mecs et de m'oublier. Tu sais bien. Tu sais à quel point il me plaît. Tu sais combien il était important pour moi. Et voilà ce que tu fais. Je suis désolée, ok? Je suis désolée. Combien de fois je dois le répéter? Je suis vraiment désolée, mais j'étais juste jalouse. Je ne voulais pas faire je ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'occuper de toi en ce moment. Attends, Savi, attends. Je sais pas quoi faire pour réparer ça, mais... Au moins, va dehors. Je l'ai vu dehors, alors si tu veux parler, vas-y maintenant. Il est dehors? Oh, je ne peux pas m'occuper de toi maintenant. Où est-il? Steve? 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 Qu'est-ce que tu veux de moi? Je sais déjà tout. Non! Tu ne comprends pas. À la cafétéria, j'ai été piégée. Piégée? De quoi est-ce que tu parles? C'est ma copine, Kitty. Elle était jalouse de nous et elle a changé le cadeau.
Elle a mis du rouge à lèvres sur ta chemise et elle m'a envoyé une photo de toi en train d'embrasser une autre fille. Waouh! Alors, et maintenant quoi? Je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses se finissent comme ça. Je suis amoureuse de toi, Steve. Je suis aussi amoureux de toi. C'est maintenant, sa vie. Embrasse-le. Maintenant ou jamais. Tu prends cette cacahuète, je prends l'autre, puis ensemble... Okay. Tom... Kitty, tu es tellement belle... Qu'est-ce qui se passe ici? Kitty... C'était un jeu TikTok. Un jeu? Oui. Ouais, c'était un jeu. C'était notre dernier jeu. Chris, s'il te plaît, attends. Tu ne comprends pas. Attends. C'était juste un TikTok. Je peux pas croire que Chris gagne encore. Ah. Oh, Kitty, mon amour... Pourquoi est-il parti? C'était juste un jeu. Quoi? Et pourquoi est-ce que je n'ai pas non plus de tampons? Oh les filles, vous avez des tampons? Non. Désolée, j'ai pas apporté mon sac à dos aujourd'hui. Non. Moi j'en ai. Attends, donne-moi une minute. Vraiment? Ouais. Les filles, vous avez des tampons? Quoi? Hein? Monsieur Smith, vous avez des tampons? Pourquoi devrais-je avoir des tampons? Demande en classe. Maya, tu as des tampons? Oui, bien sûr. Et voilà, j'imagine. Ah, merci. Kitty, voilà pour toi. Merci. Et tu les utilises pour quoi? Je saigne du nez quand je stresse, donc je m'en sers comme ça. Merci, tu es le meilleur. Ah, oh, je suis le meilleur. Le meilleur? Wow. Qu'est-ce que tu fais encore avec notre petite amie? On te l'a déjà dit, on est juste amis. Je sais que tu veux sortir avec elle. Non. Oh, regarde, c'est Billy Eilish. Abruti. Et ne touche plus à ma petite amie. Oh, Chris, mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon meilleur ami. Oh, les tampons font mal. Tu as fait ton choix, c'est fini. On se sépare. Oh, oui. Tu veux bien m'aider? Bien, tu ne me manqueras pas. Il me manque déjà. Il est toujours tellement toxique et jaloux. Ne t'inquiète pas, Kitty, maintenant c'est fini. Tu as raison. Je ne devrais pas m'en soucier. Je vais organiser une fête, ok? À plus. Ok, salut. Oh, une fête? C'est peut-être enfin ma chance avec elle. Alors, Kitty, maintenant que ton petit ami toxique est parti, je pourrais peut-être prendre sa place. Oh non, c'est bête. Kitty, j'ai voulu sortir avec toi depuis qu'on s'est rencontrés à l'école. Ah. Non, ça marchera pas. Et si je lui lisais ma lettre? Chère Kitty, tu as ces yeux qui sont juste... Non, c'est inutile. Désolée, je ne voulais pas t'interrompre. Mais si c'était une lettre d'amour, eh bien, je pense que tu devrais la réécrire. Ouais, je sais, c'était juste un poème pour la classe. Mais le poème parlait d'amour, non? Ouais, je suis un romantique désespéré. Allez, je sais que c'était pas pour la classe. Ouais, tu as raison, le poème était pour Kitty. Kitty, vraiment? Ouais. T'es peut-être pas au courant, mais elle a rompu avec son petit ami. Et je pensais que ça pouvait être une chance pour moi, parce que je suis amoureux d'elle depuis que je l'ai rencontrée en classe de piano. Ok, mais Chris est sur le point d'arriver. Tu dois aller à l'intérieur ou tu vas perdre ta chance. Ok, ouais. Vas-y, je peux le faire. Ok. Je m'appelle Casey, au fait. Oh, moi, c'est Tom. Bonne chance, Tom. Tout va bien, Tom? J'ai quelque chose à te dire. Je veux te dire quelque chose aussi. Et vraiment? Oui. Faisons-le ensemble? Oui. À trois, ok? Ouais. Un, deux, trois. Je suis retournée avec Chris. Quoi? Tom, tu sais toujours comment me faire rire. Quoi? Toi et Chris, vous êtes de nouveau ensemble? Oui. En fait, il m'attend en bas, donc je dois y aller. À plus tard. Comment je peux être aussi stupide encore? Félicitations, Tom. Tu t'es mis dans l'embarras. Tu pouvais pas être plus bête. Au moins, ça peut pas être pire. Quoi? Pourquoi est-ce que vous riez? Pauvre gars. Quoi? Oh non, ça peut pas être pire. Super, c'est coincé. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Stop! Stop! Pourquoi vous êtes si méchante? Les filles, ça suffit! Viens ici, Tom! Chut! Tom, je ne peux plus te regarder te mettre dans l'embarras! Quoi? De quoi est-ce que tu parles?
Tu te comportes comme un idiot complet. Et toi, vas-tu enfin dire à Kitty qu'elle te plaît? Je peux le faire tout seul, j'ai pas besoin de ton aide. Bien sûr. C'était juste un accident. Génial, voilà Kitty. Ne la regarde pas. Ah, salut. Salut. Oh, merci de te joindre à nous, Tom. Alors, ah, puisque tu es là, qui veut commencer? Moi, je suis prêt. Ma cape. Vas-y, Tom. Kitty. Mon ami Kitty. Non. Pourquoi il est habillé comme un sorcier? Réflexion. Sentiment. Et déni de ce que je sais que mon cœur ressent. Ton charme et ton sourire. S'il te plaît, arrête. Et ton visage. Nous sommes des âmes sœurs. Mais c'est juste que tu ne le vois pas. Et seulement avec toi, chère Kitty. Je suis excité d'exister. Oh, Tom, tu es génial. Laisse-moi. Oh, à plus. Wow. Merci. On va t'asseoir. Ok. Il arrive. T'as aimé? Oui, c'était très bien. Merci. Je voulais te demander quelque chose. Tu voudrais aller au cinéma avec moi? Pourquoi pas, oui. Ah, cool. Ouais. Est-ce qu'elle aime la glace à la fraise? Où est-elle? Oh, hé, hey, Tom. C'est pour moi? Sympa. Ouais. C'était pour Kitty. Quel crétin. Hé, hey, les amis. Chris, je vois que tu as trouvé Tom. Ouais, il m'a acheté cette glace, pas vrai? Ouais. Alors, Chris, tu as ton billet? Bien sûr. Voilà. Kitty m'a acheté un ticket. Kitty t'en a acheté un. Ok, les amis, je pense que vous pouvez y aller, ok? On se voit à l'intérieur, je dois acheter un autre ticket. A plus. Kitty m'a acheté un ticket. C'était censé être le mien. Super, le milieu. Tom est sympa, mais Chris... c'est tellement dur. Mais Chris et moi sommes à nouveau ensemble, donc... Chris... Quoi? Chris? J'aurais dû le savoir. Tu as vu comment son gars là? Je dois y aller. Il est tellement fragile. Oh, Tom, il fait vraiment des efforts. Film stupide. Salut. Comment tu vas? C'était si romantique. J'ai entendu dire que c'était un film intéressant. Prêt à accepter mon aide? Non, j'en ai pas besoin. Ah, ok. Ok, t'as raison. Tu pourrais m'aider. Ok, mais tu dois faire tout ce que je te dis, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, tu as demandé de l'aide, donc on doit faire un plan. Nous devons planifier l'invasion du cœur de Kitty. À la fin, vous formerez un très beau couple. Et maintenant, prochaine étape. Qu'est-ce que Kitty aime? Est-ce que Kitty aime la mode? Oui, la mode. Elle aime la mode. Et les sciences? Tu veux vraiment blaguer avec ça? Ah, je plaisante juste. Et le sport? J'imagine. Belle sort avec un sportif. Mais je pense qu'elle aime juste un si peu. Si elle aime les sportifs, ça doit être sur le tableau. Ok. Procédons à l'entraînement de notre recrue. Ciseaux. Oui, madame. Si tu veux lui voler son cœur, tu dois être sportif ou au moins te comporter comme tel. Nouvelle tenue, exercice, mode de vie sain, mode, accessoire, nourriture équilibrée, nouvelle attitude. Nous allons commencer ici et finir ici. Kitty plus Tom, mais d'abord dégage Chris. De cheveux, de nouveaux vêtements, okay. Mais aussi direction pas si facile la salle que de bain. Et le premier rendez-vous, des fleurs, des chocolats, bien sûr. Moins de poèmes, prendre un cours de danse et se mettre en couple. J'ai compris. Bon travail, Tom. Maintenant, allons l'embrasser. Stop. Si tu veux faire ça bien... Tu dois commencer par le commencement. Exercice. De la gym? Oh, ici? Quoi? Oh mon Dieu, ils sont vraiment très forts. Regarde, avec deux haltères. Cette chemise est tellement inconfortable. Casey? Elle a l'air très... sportive. Ouch!
Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Oh, bien. Oh, mon Dieu. Quelle mauviette. Lève-toi. Vite, encore un, vite. Casey, tu es lourde. Allez. Maintenant, tu es prêt? Je suis pas sûr. Allons-y. Ok. Tiens, comme si c'était le visage de Chris. Tu es là. Où? Oh, je la vois. Oh, elle est magnifique. J'ai une idée. Les tendances TikTok plus tes muscles, cela va définitivement l'impressionner. Je peux pas faire ça, Casey. Chut, calme-toi. Hé, les gars, regardez. Tom? Je pense que je peux pas, Casey. Allez, Tom, tu peux le faire. Tu pousses et voilà. Tom, waouh, tu as vraiment des muscles. Ouais, j'ai attiré son attention. Maintenant, te plombe pas, Tom. Tu l'as fait. Ne me parle plus jamais. Eh bien, ça s'est bien passé. Salut, Kitty. Je t'ai dit de ne plus me parler. Je sais, mais je veux juste m'excuser pour tout ce qui s'est passé dans le gymnase. Et je t'ai apporté ça. Des cookies sans gluten? Ce sont mes préférés. Comment tu le sais? Tu en veux? Ouais, merci. Tom, tu vas bien? Ouais, bien. Pourquoi est-ce que tu demandes? Mais ton visage est... Mon visage est quoi? Tu as des allergies? J'ai juste des allergies aux noix. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Tu as des noix. Je pense que tu dois voir ça. Oh, j'ai besoin de ma crème anti-allergène. Prends ça. Dépêche-toi, Tom. Oh, ça gratte vraiment. Ça va mieux, oui. Tom! Fais attention à toi. Ok, désolé, mais je dois y aller. Quoi? Encore? Donc, Casey, c'est ma chambre. Mon chez-moi. Est-ce que tu aimes? Pas mal. Ouais, c'est bon ça. Sérieusement? Quoi? Tu es étrange. Ok. Wow! Allons-y. Voyons voir. Oh, Tom! Personne ne voudra t'embrasser. Oh! Ok. Où est-ce que je t'ai mis? Non, 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 non. Oh, ouais. C'est ce dont tu as besoin. C'est quand la dernière fois que tu t'es brossé les dents? Quoi? Maintenant, attends. C'est propre maintenant? Oh, ça marche vraiment. Quoi? Tom, qu'est-ce que c'est? Quoi? Une réaction allergique encore? Il est temps de se faire un nouveau look. Enlevons tous ses sourcils. Non, mon sourcil! C'est pour Kitty! Bien. Regarde, tu es prêt. C'était que ça? Ça n'a pas fait mal. Quoi? Casey! Je peux le réparer. Parfait. C'est quoi la suite? Tes cheveux. Quoi? Mes cheveux? Tu as vraiment besoin d'un nouveau look. Non, non, nouveau look, ça me fait mal, Casey. Hé! C'est pour Kitty. C'est parti. Ok, accroche-toi. C'était dur. Tu trouves? Casey, qu'est-ce que tu as fait? Attends, j'ai pas fini. L'amour, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et ici, et la dernière partie? Tu es bien. Prêt.
Tu trouves que je suis beau? Bien sûr. Tu as l'air très cool. Ta tenue n'est pas cool du tout. Vraiment? Ça peut-être le cadeau de ma grand-mère. Tom, tu es sérieux? Oh, laisse-moi faire ça. Si tu veux paraître cool, tu dois t'habiller cool. Waouh! Maintenant j'ai compris. Ouais, c'est cool. Merci Casey. C'est bon. Salut tout le monde. Quoi? Salut. Hey Casey, comment tu vas? Bien. Et toi? Ouais, parfait. Ouais, c'est plutôt bien, non? Waouh, salut Tom. T'as l'air cool. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Oh, ouais, bien sûr. Ouais, regarde. Oui. Pourquoi je me sens jalouse? Oh. Waouh, Tom, tu as changé. J'ai vu ton manteau et je me suis dit, mais waouh quoi? Et tu sais, maintenant que tu as l'air si cool et comme tu disais que tu m'aimais bien, je pensais que nous... Tu sais quoi, Kitty? Oui? On peut inviter mon amie à s'asseoir avec nous. Elle est là-bas. Oh non, elle m'a vue. Tu sais quoi, Tom? J'avais envie de parler de nous. J'ai des choses à voir avec toi. Mais si cela ne t'intéresse pas de savoir ce que je veux dire... Non, c'est bon. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Bien. Pour commencer, efface donc tous les numéros des autres filles de ton téléphone. Oh, je la déteste. Je ferais mieux de partir. Wow! Non! Casey? Comme dans la vidéo TikTok. Tu vas bien? Tom? Sérieusement? Oui, ma tête va bien. Toi, pourquoi ça t'intéresse? Retourne Mais à ton rendez-vous. Mais tu peux te lever? Tu es mon ami? Petite amie. Petite amie? Petite amie? Petite amie? Suis-moi. Oui, nous sommes ensemble depuis la semaine dernière. Ok. Laisse-moi partir, elle ne regarde pas. Casey? Casey, s'il te plaît, attends. Tom, mais qu'est-ce que c'était ça? Je suis pas ta petite amie. Mais je pensais que nous devions la rendre jalouse selon notre plan, donc j'ai improvisé. Oui, mais pas avec mais... moi. Regarde, elle est là. Nous devons... Viens. Non, Tom, qu'est-ce que tu fais? Casey... Tom? Casey, juste... Joue le jeu, ok? Regarde-les tous les deux. Merci, Casey. Je t'en prie. Je pense qu'ils sont de nouveau ensemble. Hein? Quoi? Oh, ils sont tellement mignons. Oh, j'en ai besoin avec Casey. Casey, tu peux m'aider? Tom, désolé, je peux pas. S'il te plaît, Casey, 2 secondes. J'ai juste besoin d'une photo de nous sur mon Instagram pour que tout le monde pense qu'on sort ensemble. Ok, mais juste une photo alors. Ok, viens ici. Laisse-moi trouver la bonne position. Ok. Tu es prête? Oui. Laisse-moi juste ici. Hey, Tom! N'oublie pas que c'est pas pour de vrai. Je suis désolée, Casey. Encore? J'ai besoin d'une photo de couple. C'est fait? Ouais. Ok, bye. Merci, Casey. Eh bien, je pense que ça pourrait marcher. Ah, elle est vraiment jolie. Et nous allons trop bien ensemble. Oxygène, lithium, propriété. Où est-ce que c'est? Non, ce n'est pas... Oh, non, j'ai oublié mes devoirs. Tom peut les faire pour moi. Tom, peux-tu m'aider avec mes devoirs, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. J'arrive pas à croire que ça a marché. Tu es prête? Oui. Faisons ça ensemble.
Ouais, Kitty, prends ça et... Texto? Quoi? C'est bon, c'est celui qu'il nous faut. C'est bon. Mettons-en un peu ici. Ouais, pas de réaction, c'est une bonne chose. Oui, et... Oui, prends celui-là, Kitty. Kitty? Mais c'est incroyable! Kitty, sois un peu concentrée. Ouais, oui, bien sûr. Mets ça dans le jaune, allons-y. Quoi? Pas celui-là! Désolé, Tom, j'ai une urgence. Hé, hey, meuf, je ne peux pas croire qu'il ait posté cette photo! Comment ose-t-il? Vraiment? Ah, des photos stupides sur Instagram. Meilleur cours de tous les temps, XOXO. Super, il est avec elle. Elle est là. Oh, Stacy! Ou quel que soit ton nom, prends une photo de nous, s'il te plaît. Ok. Souriez. Pose, Tom. Souris. Maintenant, attrape-moi et... Quoi? Prends ton téléphone, Kitty. C'est parfait. Merci, Tom. Chris va être furieux. Merci. Qu'est-ce qui vient de se passer? Allez, Casey, réponds-moi. Bonjour, cette personne n'est pas disponible pour prendre votre appel. Veuillez laisser un message après la tonalité. Vraiment? Le répondeur? Qu'est-ce qui se passe? D'abord le cours, puis le baiser, et maintenant Casey qui répond pas? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et si Kitty m'avait embrassé, pourquoi je peux pas m'arrêter de penser à Casey? Je crois que j'ai compris maintenant. Je dois trouver Casey à la fête ce soir. Oui, il faut qu'elle sache. Casey? Casey, où es-tu? Oh, hey Tom! Où étais-tu? J'étais en train de te chercher. Oui, Kitty, alors justement, on a passé du temps tous les deux et c'était génial. Je sais. Mais je pense qu'on doit arrêter de sortir ensemble. On peut juste être amis? Sortir ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais on s'est embrassé. Embrassé? Oh oui, mais je l'ai juste fait pour rendre jaloux mon ex. Tu es trop drôle, Tom. Oh, bien sûr. Elle t'a utilisé comme un idiot. Trouve Casey. Tu as raison, merci. Casey? Tom, où est-ce que tu vas? Eh bien, je te cherchais, mais je vois que t'es avec ton nouveau petit ami. Petit ami? Mais je n'ai pas de petit ami. Tu es stupide, Tom. Ta fille est amoureuse de toi. Non, tais-toi, non. Quelqu'un doit lui dire. S'il te plaît, tais-toi. Amoureuse? Moi aussi, je suis amoureux de toi. Quoi? Vraiment? Finalement, mon travail est terminé ici. Bien sûr que je suis sérieux. Est-ce que tu veux danser? Pourquoi pas? Tu sais quoi, Casey? Je veux dire que je t'apprécie vraiment. Je t'aime bien aussi, Tom. Dansons comme un vrai couple, d'accord? Et pourquoi pas un baiser comme un vrai couple?